Bonjour. 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 Alors, c'est solidaire d'abord. J'entends encore la musique, je ne sais pas si c'est normal. Oui. Donc, solidaire d'abord, émission sur fréquence 7. Et aujourd'hui, nous allons parler des pouvoirs de cette République, de cette 5e République. Alors, les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Est-ce que tous les pouvoirs sont sur un seul personnage? D'abord, on est plein autour de la table. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Très bien. Ouais. Très très bien. Bon. Alors, on va écouter, pour introduire cette émission, un journaliste qui s'appelle Jean-Baptiste Lemoine, Rivoire, pardon, Jean-Baptiste Rivoire, je pensais à quelqu'un d'autre, et qui nous fait tout un laïus sur, justement, le fait que cette République part un peu à volo, si tu veux bien. Après, plus fondamentalement, moi, il y a un problème avec ce pouvoir et ce pouvoir exécutif, si tu veux. Pour moi, ils sont dans un viol permanent du contrat républicain. Pourquoi? Parce que le contrat républicain minimum dans ce pays, c'est quand même de dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que oui, il y a un président, il est élu, il a du pouvoir, ok, mais il y a aussi, je veux dire, par exemple, la justice, le Parlement, la presse. La justice, ça fait des années qu'on voit que le parquet est aux ordres du gouvernement. Donc on n'arrête pas d'avoir des procédures judiciaires où on passe notre temps à se demander s'il protège le gouvernement ou pas. Il y a quand même un problème. La justice n'est pas considérée par les instances internationales en France comme une instance indépendante. En gros, quand t'es pauvre, de toute façon, tu peux jamais faire un procès tellement ça coûte cher. Mais en plus, la justice est maintenue dans un état de pauvreté qui fait qu'elle n'arrive pas à faire son boulot. S'il n'y a pas de justice dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, c'est la loi de la jungle, c'est les plus puissants qui écrasent les plus faibles. La justice, elle est là pour éventuellement aider les plus faibles à ne pas se faire écraser. Normalement, le Parlement, ça doit contester l'exécutif, proposer des lois, challenger, poser des questions. Mais là, je veux dire, c'est un Parlement croupion. Et pour ne dire qu'un mot sur la presse, parce qu'évidemment, c'est un peu ma marotte, quoi. Quand tu laisses 5-6 milliardaires prendre le contrôle des 95% des marques d'information françaises, il y a un moment donné, si tu veux, tout ce qui pourrait servir un peu d'alerte au pouvoir exécutif en disant, bah, attendez, là, vous êtes en train de déconner, est étouffé, contrôlé, mis sous contrôle par ces milliardaires qui soutiennent Macron. Et là, ils viennent nous faire une annonce quand même extraordinaire. Le dernier pôle de résistance important qui s'appelle l'audiovisuel public, qui est trop souvent macroniste, mais qui quand même inclut aussi des émissions d'investigation qui parfois posent des questions, il faut quand même être clair, supprimer la redevance demain matin, c'est clair. Comment tu veux qu'elle laisse faire des enquêtes dérangeantes à Élise Lucet ou à Tristan Walex? Il faut qu'elle aille mendier de l'argent au gouvernement toutes les 5 minutes. C'est invraisemblable. Donc, on va avoir un paysage audiovisuel français qui va basculer totalement à droite est totalement privatisé. Et qui est en train de faire ça? Enfin, pardon, Macron, Bolloré. Il y a vraiment deux mondes. Il y a les médias soit soumis aux oukases de l'État, soit entre les mains des milliardaires. Enfin, le journal du dimanche, par exemple, ces dernières années, à plusieurs reprises, quand des scandales étaient soulevés, venait nous faire le contre-storytelling pour protéger. Ça a été le cas pour Cahuzac, ça a été le cas pour Macron. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est la presse d'Arnaud Lagardère. Le JDD protège ça. Enfin, Match protège Sarkozy. Enfin, il faut qu'on recrée des médias indépendants de partout. Tout financé par la population, et là vraiment on va faire le job, quoi. Alors merci Fréquence 7, média indépendant qui nous permet d'avoir une autre parole que les médias mainstream. Et justement, donc tout ce que décrit Jean-Baptiste Rivoire, je trouve que c'est très intéressant. Entre autres, il parle du Parlement. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, Amalia, toi tu es venue parce que tu trouves que c'est le moment d'en parler. Oui, c'est le moment d'en parler parce qu'on approche des présidentielles et 2 mois après les présidentielles, il y a les législatives. Et le fait qui m'a sauté au visage et qui me fait réagir aujourd'hui, c'est qu'en 2017, entre les présidentielles et les législatives, il y a un énorme écart de participation. Par exemple, le Rassemblement national perd 57% de ses électeurs entre les deux élections. La France insoumise perd 53% de ses électeurs et La République en marche 38%. Donc la question, c'est pourquoi? Moi, je pense qu'il y a un vrai message politique là derrière. Il peut y avoir d'autres raisons. Et je pense qu'une des raisons de cette désertion, c'est que les institutions et leur fonctionnement sont mal connus, en fait. Et on ne comprend pas l'importance des législatives. Et on ne comprend pas le rôle des députés et des sénateurs.
Voilà. Et donc, je voulais insister sur le travail qui est fait au Parlement aujourd'hui, de façon à ce que tout le monde ait bien conscience que le Parlement est un véritable contre-pouvoir, mais on pourra peut-être développer tout à l'heure. Mais c'est-à-dire l'inversion du calendrier en 2001, voulu par Jospin, a entre autres mis en avant le fait que le Parlement passe après l'élection présidentielle. Et passant après l'élection présidentielle, tous les médias nous ont expliqué que puisqu'il y avait un président qui était élu, il ne fallait pas l'empêcher de pouvoir agir. Donc ils n'arrêtent pas de nous expliquer que en fait, la reine des élections, parce qu'il s'agit quand même d'un petit roi, hein, la reine des élections, c'est la présidentielle, et après, circuler, il n'y a plus rien à voir, quoi. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ça. Et on a l'impression que les personnes qui votent, qui viennent, qui se déplacent pour voter aux présidentielles, considèrent qu'une fois les présidentielles passées, l'affaire est jouée. Et c'est faux, c'est complètement faux. En fait, le pouvoir est partagé dans notre République et c'est très important de le savoir et d'en tenir compte. Et justement, ce qui s'est passé, pour abonder dans ce que tu dis, c'est vrai que Macron, avec le pouvoir qu'il a eu, qui lui a été donné sur le fait qu'il y avait, donc tu disais, toi, plus de 300 députés qui ont été élus en marche, 308. Donc, le Parlement comptant... Sur 577, donc il a une majorité écrasante. C'est un Parlement qui est complètement à son service. Parlement godillot, comme beaucoup ont dit, quoi. Et donc, ils font tout ce que le petit roi a décidé. Alors, évidemment, les médias, d'ailleurs, n'arrêtent pas de nous seriner sur le fait que c'est la rencontre de... D'un homme et de son peuple. Voilà, d'un homme et de son peuple. On aurait bien voulu le rencontrer, l'homme, il y a une époque. On était prêts, là, les Gilets jaunes, ils étaient prêts à le rencontrer. Venez me chercher. Il n'est pas venu. Hein. Le petit roi, quoi. C'est vraiment ça, hein, la rencontre d'un homme avec un peuple. Non, mais attends. C'est pas ça, quoi, une élection présidentielle. Alors, comment vous réagissez-vous par rapport, justement, au Parlement ? Moi, je trouve qu'elle pose vraiment une question très, très importante, Amalia. C'est-à-dire, on veut que vive cette démocratie. Donc, il faut au Parlement, il faut voter, quel que soit l'élu. Il faut y aller. Tout à fait, tout à fait. Et pour, comment dire ? Pour être suffisamment motivé pour aller voter aux législatives, je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre le rôle des députés. Les députés sont les représentants du peuple, de tout le peuple, pas seulement de leurs électeurs dans leur circonscription. Ils sont les seuls avec le gouvernement à pouvoir proposer des lois. Ils sont là comme contre-pouvoir et comme contrôle de l'exécutif. Donc l'exécutif, c'est le président et son gouvernement. Le législatif, c'est les deux chambres, le Parlement et le Sénat. Donc ils sont là pour contrôler le gouvernement. Ça fait déjà... Bon, il y a encore d'autres rôles, mais ça, c'est déjà très, très important. Donc il y a eu une seule motion de censure qui a abouti dans cette 5e République. C'était en 62, à un moment où De Gaulle voulait le pouvoir pour lui tout seul, en fait. Donc alors là, c'était encore... C'était quelque part ce que Macron est en train de faire tout doucement. Hein. Ouais. Mais bon, à l'époque, ça a été un peu plus frontal parce que donc il y avait eu ça avait été voté en 58 cette nouvelle façon de voir la République, puisque on avait eu avant la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et ça, c'était la 5e République. Et donc De Gaulle voulant quand même un pouvoir personnel, hein, il y avait quand même quelque chose comme ça qui était très très avancé, le Parlement s'est opposé et il y a eu une motion de censure et il a été obligé de demander la démission du gouvernement, du Premier ministre qui était Pompidou. Alors De Gaulle a essayé de biaiser, en plus il n'était pas là, alors il a essayé de faire comme s'il ne demandait pas la démission, enfin, etc. Et finalement il nous a resservi Pompidou quand même derrière, hein, mais enfin bon, voilà. Alors c'est vrai que c'est compliqué, la démocratie, disons c'est compliqué qu'il y ait l'élection d'un nouveau président parce que le gars est élu, il faut qu'il arrive, il a des nouvelles idées, des nouveaux principes, il faut que ces principes arrivent à se mettre en place. Et c'est vrai que s'il avait une minorité, ou s'il était en minorité, par ces deux chambres, du Sénat et des députés, de l'Assemblée nationale, eh bien au fond, il n'arriverait jamais à faire son programme. Hein ? Donc ça serait quand même un sacré échec. Hein. Oui, mais c'est ce que nous mettent beaucoup en avant les journalistes, pour dire surtout, ne lui
mettez pas des bâtons dans les roues. Alors à côté de ça, c'est vrai qu'après on a la tyrannie de la majorité, hein, c'est-à-dire on n'écoute absolument pas les autres voix. Et c'est quand même ces chambres sont des chambres d'expression où il se dit des choses. De personnes qui représentent quand même qui représentent des habitants dans notre pays et on doit avoir attention des courants différents de pensée parce que ils sont pas forcément idiots ils sont existants ils méritent une attention tout à fait correcte quoi une réelle attention c'est-à-dire pas une attention politique de politesse mais une attention humaine pour faire évoluer notre société seulement est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est vraiment, disons, dans des politiques qui ont envie de faire évoluer notre pays, qui aiment leur pays, ou est-ce qu'ils aiment plus le fric, leur porte-monnaie? Alors pas tous, sans doute, hein, mais c'est la question. Notre société est vraiment pourrie par l'argent. Les collisions privées-publiques à tous les étages. La République des copains, la République des coquins. Voilà. Disons, on retrouve de partout... on retrouve de partout, disons, ces deux côtés. Et je vais vous raconter une petite histoire pour qui a rien à voir. Je vais l'autre jour dans un commerce et on me parle de la guerre en Ukraine. Le monsieur qui était derrière moi me branche un peu en me disant eh oui, c'est dire en Ukraine, c'est triste. Et je dis oui, bien sûr, toutes les guerres, de toute façon, toutes les guerres sont tristes. Hein. Et je lui dis mais vous savez elles sont pas tristes pour tout le monde. Je lui dis regardez Thalès. Hein, alors il me dit c'est quoi ça. Alors je lui dis bah c'est une boîte de défense. Je me suis amusé à aller voir la bourse. Hein, vous pouvez aller voir facilement hein, sur un journal ou une boîte d'armement. Une boîte d'armement de défense. Hein. Et je dis Thalès en un mois deux mois a dû prendre à peu près ça a dû passer de 8 000 à 12 000 à peu près hein, disons en un mois si vous aviez placé 8 000 euros vous en auriez 12 000 un mois après alors il me dit oh là là mais c'est super intéressant ça. Alors on est tous habités parfois par cette avidité quoi et c'est vrai qu'il faut aussi lutter disons pour qu'est-ce qu'on veut quoi enfin et si on veut une probité si on veut une honnêteté si on veut changer le monde, eh bien, on peut pas servir de maître. C'est presque religieux, mais on peut pas servir de maître. Ouais, deux maîtres. Mais le dicton, l'argent et comment c'est le dicton l'argent. Ah, il y a un dicton, ça me reviendra tout à l'heure. Tu vas trouver. Bon, oui, voilà, moi je trouve que effectivement c'est très édifiant ton histoire, hein, c'est-à-dire que on peut être bien d'accord avec quelque chose d'humanitaire et tout, mais le pognon là, le pognon, Et oui, puis c'est tentant de, disons, de convertir 8 000 euros en 12 000 euros sans rien foutre pendant un mois, quoi. Hein. C'est pire que Lourdes. Je l'ai retrouvé. L'argent est bon serviteur, mais mauvais maître. Voilà. Alors, si tu parles de ça, de l'argent facile, en fait, évidemment, il y a quelque chose dont on a parlé tout à l'heure qui est là tout de suite, c'est-à-dire que tu nous expliquais qu'en fait, les cabinets conseils, les gens sont payés combien exactement la journée ? Alors, dans les cabinets conseils, disons, c'est 2000 euros en moyenne par jour et par personne, et McKinsey, qui est quand même au sommet, hein, le premier, je crois, hein, sur le plan mondial, hein, lui, c'est 2700 euros par jour et par personne qui interviennent. Et là, alors la feuille produite chez McKinsey, tu sais combien c'est ? Parce que toi, tu nous as produit 4 feuilles pour cette émission. Hein ? Combien est payée la feuille chez quoi, McKinsey ? C'était quoi, Alain ? 1700 euros la feuille ? Ouais, entre 1200 et 1700 euros la feuille suivant le conseil comment est orienté. À Maya, il va falloir qu'on se... Je me suis trompée de client, là. Je m'en vais, là. Je vais trouver autre chose. sans compter que c'est souvent du copier-coller. En plus, oui, c'est du copier-coller. Oui, oui. Donc ça va plus vite après la deuxième fois. Donc, ça va assez vite. Et n'oublions pas que donc Macron, alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin il y a quelque chose quand même qui est à voir, c'est sur Off Investigation, il y a un monsieur qui s'appelle Adrien de Tricorneau qui raconte comment il a piégé Macron, qui a pris la main dans le pot de confiture, parce que en fait il était déjà conseiller, lui, pour le rachat du Monde, c'est-à-dire que de toute façon il est en chemise avec ses gens des cabinets conseils, parce que c'est les mêmes.
C'est tous des gens qui sortent des grandes écoles, qui se retrouvent conseillers, alors comme on dit pantouflés, hein, c'est-à-dire ils sont soit hauts fonctionnaires, et puis juste après ils se retrouvent à direction d'une petite boîte ou sous-directeur d'une petite boîte, puis ils reviennent. Et donc, ce que tu disais, Amalia, par exemple, c'est que pour toi, c'est scandaleux, parce que c'est même pas le cabinet conseil que tu attaques, c'est que l'État fonctionne comme ça. Mais oui, c'est que l'État fonctionne comme ça et que en réalité, on s'aperçoit que ce sont les cabinets de conseil qui gouvernent presque, quoi, qui chuchotent à l'oreille du pouvoir. Et moi, ce qui me révolte, c'est que le pouvoir accepte ça. Voilà, que le pouvoir accepte que le pays soit mené par des entreprises privées, en réalité. C'est ça qui est révoltant. Et étrangères. Et qui ne payent pas leurs impôts. Et qui, de surcroît, s'enrichissent fortement et ne payent pas leurs impôts. Et y compris dans des dossiers de défense. Dans des dossiers extrêmement délicats. Extrêmement délicats. Et qui est aussi un évadé fiscal ? Oh ben, l'évasion fiscale, ça c'est pas l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Donc Macron, donc Ruffin nous explique ça dans une vidéo où il parle du... la vidéo s'appelle Rothschild Gate. Hein, et donc on voit là que Macron a réussi en fait à mettre beaucoup d'argent à l'ombre, mais on n'arrive pas à le prouver parce que c'est tellement opaque. Oui, les paradis fiscaux, il y en a en Europe. Hein. En général, ils ne sont pas cités, on préfère citer les Caïmans, c'est plus commode. Mais en Europe, il y a des paradis fiscaux. Le Luxembourg n'est pas très loin. Oui, mais il n'est pas cité dans la liste des paradis fiscaux. Mmh. Non, il n'y a pas que le Luxembourg. Il y a la Hollande, il y a l'Irlande, les îles anglo-normandes. Non, il est tout près, juste à côté, pas d'en aller bien loin. Donc depuis l'année 2000, les banques, tu disais qu'il n'y a pas que Rothschild d'ailleurs. Non, il y a la Banque Lazare aussi. La Banque Lazare. Oui, la Banque Lazare, ça a été les premiers qui ont demandé à Bercy de pouvoir... quand il y a des grosses transactions, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, de pouvoir en verser une partie soit dans des trusts. Un trust, c'est fait dans les paradis fiscaux. Ouais. Donc voilà, le Lazare a demandé en premier, la Banque Lazare, et Rothschild s'est enfilé dans la brèche, a demandé aussi. Bercy, évidemment, il a accordé. Et du coup, on se retrouve avec des commissions qu'ils ont versées sur des paradis fiscaux. Alors, en même temps, c'est pas un petit pourcentage, hein, parce que c'est 80% du montant de ce qu'ils ont gagné qu'ils peuvent reverser ailleurs. Donc, complètement à l'ouest, on sait même pas combien ils ont gagné. Mais, ouais. Donc, quand Macron, qui a fait qui a optimisé cette vente qui s'est passée entre... Alors, tu nous donnais les détails. C'est quand Pfizer a vendu sa branche nutrition enfantine, qui a vendu à Nestlé. Ils étaient deux à vouloir acheter. Il y avait Danone et Nestlé. Macron était plus dans les papiers de Nestlé, donc il est allé en Suisse, parce qu'ils sont, une fois de plus, voilà, un paradis fiscal. Et il a négocié avec Nestlé. Bon, ils ont allongé un peu plus d'argent et Nestlé a eu le jackpot. Et Macron, le super jackpot, parce que c'est la banque Rothschild qui a encaissé, il en parle de 30 millions d'euros. Alors, Macron, cette année-là, a déclaré 700 000 euros sur un compte français. Donc, il a touché 700 000 euros. Donc, comme c'est peut-être 10 ou 20% de la commission qu'il a reçue, on peut imaginer le reste. Quand il a été obligé de déclarer sa fortune personnelle, parce que maintenant, depuis l'affaire Cahuzac, ils sont tous obligés de la déclarer, il a triché, il a minimisé ses biens, ça fait qu'après, il a été rattrapé quand même. Bon, c'est une bricole, 6 000 euros, il a payé en deux fois. Mais il a été rattrapé parce qu'il avait triché sur les biens qu'avait Madame Macron, on va dire, Brigitte Macron, et c'est bien lui, sur son appartement de Paris qu'il avait vendu. Donc il a triché et il s'est fait prendre quand même, ils ont osé quand même le prendre parce qu'il n'était pas président encore à l'époque, parce que maintenant, on n'en parle plus, il s'est fait prendre un redressement de plus de 6 000 euros. Donc il s'est déjà fait prendre deux fois, une fois par Adrien Tricorneau, ce que je racontais tout à l'heure, pour le monde, et puis une autre fois, avec voilà, ce que tu là, expliques là. Voilà, là, il s'est fait, ouais, il s'est fait pas. Mais enfin, bon, c'est 6 500 euros, un truc comme ça, c'est pas en deux fois. Ça l'a pas empêché de... Amalia, excuse-moi. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que, dans l'affaire des cabinets de conseil, enfin, cette affaire-là est vraiment l'illustration parfaite du rôle de contre-pouvoir du Parlement, puisque l'affaire est sortie grâce à une commission d'enquête qui a été menée par le Sénat. Voilà. Donc on voit à quel point ça peut être important. Pour une fois, ce n'est pas les journalistes qui soulèvent un lièvre. Pour une fois, ouais. C'est le Sénat, que l'on paye d'ailleurs, hein, pas à se leurrer, qui a fait l'enquête.
Parce que très souvent, c'est les journalistes qui ressortent les affaires. Ça a été doublé par un livre. Oui, voilà. Et pour compléter ton propos, Amalia, comme quoi il est très important d'aller voter pour les députés, quoi, enfin pour au moment du vote des législatives. Tout à fait. Il est très important d'avoir une presse libre. On en revient toujours à d'avoir une presse libre. D'avoir une presse libre, parce qu'on voit bien que là, c'est les journalistes indépendants. Alors, souvent, des fois, c'est les pauvres qui ne gagnent pas de fortune, qui soulèvent des affaires que, normalement, s'il y avait une justice, s'il y avait vraiment des inspecteurs des finances et compagnie, ce serait à eux à trouver des... Mais non. Et puisque tu parles de la presse, chacun sait que, hormis les presses libres, la presse en France est d'abord beaucoup aidée par l'État, sinon elles sont toutes en déficit. Hein. Et c'est les oligarques qui les ont rachetées. Et s'ils les ont rachetées, ce n'est pas par rapport financier, là, c'est uniquement pour travailler, disons, les esprits, hein, c'est-à-dire orienter les gens vers l'objectif qu'eux se sont donné. Mais le Macron qui avait dit un mensonge, on peut le répéter à perpétuité, ça ne sera jamais une vérité. Mais là, oui, c'est ce que fait la presse. Amalia, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais juste faire une petite liste des lois qui ont été votées pendant le quinquennat de Macron, parce que... Voilà. Ça éclaire le débat. Enfin, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais bon, elle est déjà assez, parlante, je trouve. Donc, il y a eu la suppression de l'ISF, la réforme de la loi travail, qui est passée, celle-là, par ordonnance. La réforme de la loi travail, je voudrais m'y arrêter juste 2 minutes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud, on va dire. Donc, plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur en cas d'accord minoritaire, fusion des instances représentatives du personnel, primauté des accords d'entreprise sur ceux de branche. Oui. Et ça c'est vraiment... Ça, c'est un inversement très, très fort. Qui met tout le monde dans la panade. Voilà. Ouais. Ensuite, il y a eu la réforme de la SNCF, la loi sur l'état d'urgence, il y a eu une loi sur la moralisation de la vie publique, réforme de l'assurance chômage, ça aussi. Réforme des retraites qui a été stoppée par le Covid, mais qui était bien partie. Dans l'éducation nationale aussi, il y a eu des réformes. Et il y a eu la loi immigration-sécurité. Enfin, voilà. Tu as oublié l'appel. Et la retraite... L'APL qui a été modifiée. En sachant que nous irons droit, si Macron repasse, voilà. C'est 65 ans. Hein. Alors que Mélenchon, c'est 60 ans. Voilà, exactement. Donc si vous ne savez pas pourquoi il faut aller voter, là, vous avez eu une petite brochette de choses qui vous remettent au clair. Qui sont passées pendant 5 ans, et là, il annonce la couleur. Et toi, tu disais qu'il fallait voter, Denis, hein ? Oui, il faut aller voter, parce que alors là, le programme de Macron qui est dans son meeting, quand il parle de croissance et de PIB, il fait peur, hein. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent attention à la croissance parce que ça pollue, qu'on consomme trop, qu'il faut consommer différemment, qu'il faut vivre autrement, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Et lui, il est toujours dans son modèle on change rien, on continue et on fonce dans le mur. Nous avons un jeune président qui gouverne en fait comme un très très vieux président. Oui, non, mais il y en a qui disent qu'il mène la France comme une start-up. Ah oui, en plus, oui, mais donc. Oui, à l'ancienne, quoi. Ouais, alors après, il y a une dernière chose, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, hein, il nous reste 2 minutes, un peu plus. Il y a quand même la presse. Qu'est-ce que fait la presse en ce moment ? La presse est en train de nous dire le duel Macron-Le Pen, hein, ils nous mettent ça en avant. Donc surtout, ne réfléchissez pas, ça, c'est entre Macron et Le Pen que ça se passe. Donc, deux néolibéraux, c'est-à-dire deux personnes qui sont d'accord sur l'économie. Darmanin, il a dit à Mme Le Pen qu'elle était molle. Donc on voit bien que par moment, Macron, enfin le gouvernement Macron est plus dur ou plus ferme ou ce qu'on veut que Marine Le Pen. Donc ça c'est quand même assez inquiétant. Et puis avoir un deuxième tour droite-extrême droite, ça serait quand même beaucoup plus noble pour la France d'avoir droite et gauche. Comme à une époque. Ouais, parce que là, bon, c'est vrai que on a l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à dire que d'avoir les dents qui rayent par terre, hein, le parquet, c'est moi qui vais être devant. Parce que qu'on mette Le Pen ou qu'on mette Macron, si on change les gens, hein, mais c'est tout. On ne change pas le système. Pas du tout. Non, pas du tout. On reste dans la même logique. Hein. Les quatre de droite ont à peu près le même discours. Bon, il y a peut-être Zemmour qui se démarque un peu parce qu'il est vraiment extrêmement droite et.
Vraiment, il fait alors plus que peur, il fait flipper, lui. Mais autrement, les trois autres, ils se tiennent à chair de près les mêmes idées. D'ailleurs, ils se piquent les idées. Pécresse le dit bien, hein. Macron me pique mes idées, il me siphonne mes idées. Enfin bon, voilà, c'est que, ouais, ça... Et d'ailleurs, on voit la hauteur du niveau du débat, parce que c'est, en gros, il me pique mes idées, vous voyez comme il est mauvais. Oui. Oui, oui. C'est terrible. Ouais. Alors, on a un grand meeting. Oui, alors tu as raison. On a un grand meeting mercredi 6 avril à 18h30. François Ruffin est... alors, non, ouais, mais je crois qu'elle... Je ne suis pas sûr. Il y a un changement. Oui, il y a un changement. Donc, on l'a peut-être pas trouvé. Voilà, oui. Donc, François Ruffin sera à l'Agora, à Aubenas. L'Agora, c'est la place de la Poste. Hein, la place... Champ de Mars. Champ de Mars, voilà. Hein, ce qu'on appelait le Champ de Mars. Alors, il y aura du monde à partir de 18h30, hein. 18h30, on ne sait pas trop. À des endroits, il y a marqué 17h30, alors je sais pas. Il y a la musique avant. Il y a des orchestres qui viennent faire de la musique avant. Je sais que Hélène Deschamps a écrit une très belle chanson pour justement cet événement. Cet événement, d'accord. Donc il y aura Hélène Deschamps. Ouais, toi, t'es drôlement introduit là, quand même. Hein, tu connais Hélène Deschamps. Je la connais depuis vieille date, oui. Et puis Didier Tang. Hein, qui sera là, et puis Basta Zoumaï. Oui, voilà. Et c'est bien, c'est de la bonne musique, c'est des gens... Alors, apparemment, la température monte, ils vont pouvoir jouer correctement, parce que c'est vrai que jouer quand il fait 7-8 degrés, c'est pas terrible, hein, mais là, bon, ça monte un peu. Et Ruffin sera là peut-être un peu plus tard, je sais pas quand est-ce qu'il va parler exactement. Enfin, venez quoi, venez. Je pense qu'il va être bien. Qu'il va intervenir vers 18h30. Hein. 19h30 normalement. 19h. Oui. D'accord. Bon, voilà. Venez nombreux. Oui. À plus, on a fini. Excusez-nous d'avoir été si long. Bientôt. Au revoir.